Ça, c'est la deuxième partie de pourquoi l'onction est vitale. Dans le précédent épisode, j'ai partagé sur pourquoi on a besoin de l'onction pour que les gens aient une rencontre avec Jésus. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de paroles, mais de puissance. Et sans la puissance de Dieu dans le corps du Christ, beaucoup de chrétiens vont juste entendre sur Jésus, mais ils ne vont pas avoir une rencontre avec Jésus. La deuxième raison pour laquelle l'onction est vitale dans le corps du Christ, c'est que l'onction est nécessaire pour détruire le royaume des ténèbres. Le diable est toujours au travail et Jésus nous a appelés d'être ses serviteurs pour détruire le travail du diable dans la vie des gens. La Bible dit que le joug sera détruit à cause de l'onction. Pour voir les oppressions démoniaques, qui sont les démons, les maladies, le travail du diable être détruit, on a besoin de l'onction. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sheva, juifs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ?» Donc, les démons sont en train de dire qu'ils reconnaissent Jésus, qu'ils le connaissent, qu'ils reconnaissent Paul. Non seulement qu'ils reconnaissent et qu'ils savent qui ils sont, mais ils savent que Jésus et Paul ont l'autorité sur eux. Ils savent qu'ils doivent obéir à leurs commandements, peu importe ce qu'ils demandent. Les démons savent, ils peuvent voir dans le monde spirituel où l'autorité de Christ est. Et Jésus a dit à ses disciples, quand ils sont venus, après avoir chassé les démons pour la première fois, il a dit, « Je vous ai donné toute puissance sur l'ennemi. Je vous ai donné l'autorité sur l'ennemi. » En disant cela, Jésus est en train d'expliquer, « Oui, les démons vous ont obéi parce que je vous avais donné l'autorité sur eux. » Jésus ensuite continue en disant, « Merci Père, car tu as caché ces choses. » Une autre traduction dit, « Les grandes révélations de ton autorité à ceux qui sont fiers, mais tu l'as simplement révélé à ceux qui sont humbles et à ceux qui sont comme des enfants. » Il a révélé que son autorité, son onction, n'est pas donnée à tout chrétien, à chaque personne, mais c'est simplement donné à ceux qui sont humbles, à ceux qui sont comme des enfants. Ce n'est pas donné à ceux qui sont orgueilleux. Les démons étaient en train de reconnaître Paul, mais également Jésus, parce que Jésus avait choisi de donner l'autorité et l'onction à Paul. Paul était digne de confiance avec cette onction et cette autorité. Maintenant, quand Dieu donne à quelqu'un l'onction, il lui donne également l'autorité. Ils sont deux en un. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui brise les jougs, les chaînes, qui chasse les démons. C'est l'autorité qui fait en sorte que les démons partent. Donc, quand Dieu donne l'onction, il y a également de l'autorité dans cette onction, deux en un. Les démons peuvent voir où la vraie autorité sur eux est présente. À chaque chrétien est donné une mesure d'autorité le moment où ils donnent leur vie à Jésus. Chaque chrétien reçoit de l'autorité sur le diable pour leur vie spirituelle personnelle. Chaque chrétien peut exécuter son autorité sur le diable quand le diable vient, par exemple, attaquer leurs pensées avec des mensonges, attaquer leur santé, attaquer leur vie, attaquer leur famille. Vous avez l'autorité sur le diable et quand vous utilisez cette autorité, le diable doit obéir. Mais il y a des hauts et hauts et hauts niveaux d'autorité, plus que ce que Dieu vous a déjà donné. C'est la volonté de Dieu que vous progressiez et que vous soyez digne de porter un haut niveau d'autorité, afin que vous ne preniez pas juste l'autorité sur le diable dans votre vie, mais que vous soyez en mesure d'aider les autres, que vous soyez en mesure de faire la grande commission en chassant les démons. Et ces démons, il y a une raison pour laquelle ils ont cité spécifiquement Paul. Il y avait d'autres chrétiens à cette époque. Pourquoi ils ont dit spécifiquement Paul? C'est parce que ces démons-là, ils étaient un haut niveau de démons. Et ils ont reconnu un haut niveau d'autorité de Christ, dont l'apôtre Paul. Ainsi, ils avaient à obéir ce haut niveau d'autorité. Comment les démons sont chassés? C'est simple. Quand Dieu donne à un serviteur l'onction et l'autorité, quand ils vont prier pour les gens, les démons doivent partir. Plus le niveau d'autorité est grand,
plus les démons, plus les principalités, plus le haut niveau des démons doivent partir, plus les maladies doivent partir, plus l'obscurité doit être détruite. Nous pouvons voir cela avec l'apôtre Pierre. Il marchait avec le plus haut niveau d'autorité. Et même les principautés devaient obéir parce que, ça dit, ils emmenaient les malades et ceux qui étaient possédés par les démons là où son ombre passait. Et tout ce qu'il avait à faire, c'était simplement de passer avec son ombre. Donc, son autorité était tellement grande qu'il n'avait même pas besoin de dire un seul mot, ou même de crier quelque chose, ou de lutter avec des efforts physiques. C'était à ce point-là que son autorité était grande. C'était tellement grand que la Bible dit « tous les démons et toutes les maladies partaient ». La raison pour laquelle ils étaient en mesure de voir que à 100% les gens qui venaient à l'église étaient guéris, la plus grande clé est que Pierre avait le plus haut niveau d'autorité en Christ. Les principautés ne pouvaient même pas traîner là. Il devait partir quand l'onction et l'autorité étaient présentes. L'onction est vitale parce que c'est l'onction qui fait en sorte que les démons, les maladies, le royaume des ténèbres quittent la vie des gens. C'est simplement l'onction et cette autorité et cette onction. Alors, ce que nous avons aujourd'hui dans le corps du Christ en général, c'est que beaucoup d'églises n'ont pas l'onction. Et ça, c'est la simple réponse de pourquoi beaucoup de chrétiens ont des maladies et des oppressions, comme par exemple l'anxiété, la dépression, les pensées suicidaires, les cauchemars la nuit. Ça, c'est la simple réponse. L'onction n'est pas là dans l'église où ils partent, dans le ministère dans lequel ils reçoivent. C'est pour cela que les miracles sont devenus rares aujourd'hui, parce que l'onction est rare. Tout devient facile et simple là où l'onction est simplement là. Vous n'avez pas besoin de quelque chose d'autre. L'onction, c'est Jésus lui-même. Jésus dans sa plénitude. Vous n'avez pas besoin de quelque chose d'autre. Imaginez dans un service de 1000 personnes, disons que 99% de ces personnes ont des maladies et des oppressions. Et en un moment, en moins d'une heure, vous pouvez voir 900 personnes, toutes les personnes qui étaient là, être guéries et délivrées. Les gens qui avaient des esprits suicidaires, les gens qui prévoyaient de se suicider, cette nuit-là, ont été sauvés et délivrés, ont été remplis de la joie du Seigneur. Et ils vont finir par vivre une longue vie. Les gens qui étaient sur le point de mourir du cancer la semaine d'après, les docteurs leur ont dit, vous avez une semaine pour vivre. Ils sont guéris juste à ce moment-là. Les gens qui sont morts prématurément peuvent être ressuscités des morts. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste à propos d'aller au ciel après que nous mourrons. Ça, ce n'est pas la seule partie de la bonne nouvelle. C'est aussi le fait que Jésus a payé le prix pour que vous soyez guéris et délivrés complètement maintenant. Vous n'avez pas besoin de souffrir dans les maladies et dans les oppressions. Vous pouvez recevoir la guérison et la liberté et marcher dans la vie en abondance ici et maintenant. Ça, c'est extraordinaire. Mais beaucoup du corps de Christ est bloqué dans des églises en restant avec leurs démons et leurs maladies. Dans la plupart d'églises au travers du monde, les gens viennent avec des démons, ils entendent les prédications et ils rentrent chez eux avec leurs démons. Ces démons sont dans chaque service, ils se moquent de nous, ils restent là confortablement parce que c'est l'onction qui fait en sorte qu'ils s'en aillent. Mais sans l'onction, ils restent là confortablement et ils ne partent pas, ils ne se manifestent même pas. Ils sont aussi confortables que ça. Sans l'onction, les gens restent avec leurs démons, ils ont leurs problèmes spirituels démoniaques et personne ne leur aide spirituellement dans l'église. Les leaders des églises, ils font simplement ce que le monde fait. Ils disent « Allez faire une thérapie, allez voir un docteur, je vais vous garder dans mes prières. » Même les gens du monde disent ça. Les gens du monde disent « Il faut peut-être prier et espérer. » Et c'est la même chose. « Je vais vous garder dans mes prières. » Jésus n'a pas dit « Dites aux gens, je veux vous garder dans mes prières. » Il a dit « Si quelqu'un a un démon, chassez les démons. Si quelqu'un est malade, déclarez la guérison. Mettez les mains sur les malades. Faites quelque chose. Soyez un serviteur de l'onction de Dieu et relâchez cette onction. Guérissez et délivrez mes enfants. Ne dites pas « Je veux te garder dans mes prières. » Ça ne fait rien. Ne leur envoyez pas quelque part comme les gens du monde font. Ce qui fait en sorte qu'ils restent encore bloqués dans le monde, ils deviennent addicts aux médicaments, aux docteurs.
ils deviennent addicts à l'anxiété alors que tu es juste supposé chasser ce démon d'anxiété hors de la personne. Pendant longtemps dans le corps du Christ, pour la grande partie dans le corps du Christ, les chrétiens n'ont pas vu des miracles dans leur église pendant des générations. Et donc, c'est compréhensible qu'il y a maintenant cet aveuglement spirituel. Et nous pensons juste que les choses doivent être comme ça, les miracles étaient juste dans le passé, mais ce n'est plus une excuse. Le réveil, c'est maintenant. Et Dieu est en train de se manifester. Les vidéos se propagent, montrant des démons être chassés hors des gens, des malades être guéris. Il n'y a plus d'excuses maintenant. Nous ne pouvons plus aveugler nos yeux maintenant. La parole de Dieu devrait être notre standard, mais pas l'Église comme on l'a toujours connue, comme on l'a toujours vue, ou comme nos parents et nos grands-parents l'ont toujours connue, sans miracle. La parole de Dieu devrait être notre standard. Et au travers de l'Évangile, Jésus est constamment en train de chasser les démons, de guérir les malades, en plus de prêcher. Vous ne voyez jamais un exemple de Jésus qui prêche simplement. Parce qu'il y a toujours des malades qui ont besoin de guérison. Il y a toujours des gens oppressés qui ont besoin d'être libres. Et Jésus aime ces personnes et il veut les libérer et les guérir immédiatement. Ça, c'est notre Jésus. Et il a commissionné aux premiers disciples de faire la même chose, voire même plus que lui. Il a dit, guérissez les malades, chassez les démons. Il les a commandés de faire ces choses. Il n'a pas dit, faites cela de temps en temps. Il a dit, ça, c'est ce que vous devriez faire quand vous prêchez le royaume de Dieu. Prêchez le royaume de Dieu et ensuite, démontrez que le royaume de Dieu est réellement là. Relâchez le royaume de Dieu. Si vous voulez voir à quoi l'Église doit ressembler aujourd'hui, regardez à l'Église des Actes. C'est incroyable comment beaucoup de chrétiens, au moment où ils voient la guérison et les délivrances, au lieu d'être excités, ça, c'est ce que j'ai lu dans l'Église des Actes. Alléluia! Le réveil, c'est maintenant. Au lieu de faire ça, la plupart du temps, ils se sentent inconfortables. Ils se disent, oh, je sais pas, ça, c'est bizarre. Je suis confortable avec l'Église comme ça l'est déjà. Ça, c'est vraiment horrible et ce n'est pas OK. Nous devrions avoir la crainte de Dieu. Nous allons devoir rendre des comptes à Dieu un jour. Nous ne choisissons pas comment on fait l'Église nous-mêmes. Nous ne choisissons pas de rester confortablement assis dans nos églises avec une heure de service chaque semaine. Nous n'avons pas ce choix. Nous avons été commissionnés par Dieu d'être les serviteurs de son onction, de respecter et honorer son onction et de révérer son Saint-Esprit, d'aimer son Esprit, comment il se manifeste avec toutes les manifestations de l'Esprit, le beau baptême du Saint-Esprit et le parler en langue, la guérison des malades, la beauté de l'onction qui fait en sorte que les démons tremblent et qu'ils crient et qu'ils convulsent. Ça, c'est beau parce que c'est Jésus qui vient et qui expose l'obscurité et la chasse. C'est la plus belle chose dans le monde. Nous sommes appelés à chérir le travail du Saint-Esprit et le laisser faire ce qu'il veut. Il est temps de devenir vraiment sérieux sur le fait de quitter les vies chrétiennes tièdes dans les églises et de venir dans des vraies églises où l'onction est, où vous pouvez faire partie du vrai travail de Dieu, où vous pouvez être équipé pour devenir un serviteur de l'onction de Dieu et être dans un endroit où vous recevez le transfert d'onction afin que vous puissiez devenir un serviteur de Dieu qui chasse les démons, qui guérit les malades et qui sauve les gens, qui les sauve réellement, pas simplement leur donner un évangile sans puissance, mais un serviteur de Dieu qui relâche la puissance de Dieu afin que les gens puissent réellement avoir des rencontres avec Dieu et tomber amoureux de lui et qu'ils soient réellement sauvés. Il est temps de devenir sérieux sur le fait de devenir un serviteur digne de porter l'onction de Dieu et de respecter son onction. Et ses serviteurs ont un, même si vous ne comprenez pas toujours, même si ça paraît différent et nouveau et étranger pour vous, mais vous respectez et vous avez de la révérence pour le Saint-Esprit. Vous devenez comme des enfants. Ainsi, il va vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, vous pourrez accepter le Saint-Esprit et l'aimer et devenir son serviteur puissant. Dans les services où je prie pour les gens,
L'onction est tellement présente, c'est tellement présent que même avant que la prédication commence, l'onction va être en train de couler sur les gens qui sont là. Et ceux qui regardent en ligne, l'onction va littéralement venir sur les gens et tous les démons, toute l'obscurité devient exposée et s'en va. Avant même la prédication, la plupart du temps, on le voit. On voit les démons crier avant même que le service commence. Les gens sont délivrés immédiatement. Dès le moment où ils viennent et qu'ils se positionnent là où l'onction est, c'est la plus belle chose dans le monde de voir les gens être délivrés des oppressions du diable et d'être guéris de leurs maladies et d'avoir la révélation de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de l'onction dans l'Église afin que le royaume des ténèbres soit détruit. Et la prochaine raison de pourquoi nous avons besoin de l'onction dans le corps du Christ aujourd'hui est que l'onction attire les gens vers Jésus. Comment il faisait en sorte que les gens viennent à l'Église dans le temps de Jésus et dans l'Église des Actes? Ils n'avaient pas des affiches luxueuses ou de la lumière luxueuse et des bonnes machines et des belles vidéos divertissantes, et un groupe de musique qui était comme un concert rock. Ils n'avaient même pas de la ventilation, des bâtiments luxueux, mais ce qu'ils avaient était l'onction, la puissance de Dieu. Et c'était réellement l'onction simplement. Jésus lui-même, Jésus qui vient avec puissance, qui attirait les masses vers Jésus, dans son Église, au travers des évangiles. On voit en fait ce même modèle, Jésus qui est là, il prêche, il guérit les malades, il chasse les démons, il ressuscite les morts, il est en train de faire des miracles. Et ensuite, ça dit que la parole se propageait et beaucoup d'autres venaient. La première moisson, donc le premier réveil, après que Jésus ait rassemblé ses disciples et qu'il était prêt à commencer à prier pour les masses, il a rencontré une femme samaritaine au puits. Et cette femme avait une rencontre prophétique avec Jésus, où elle a rencontré Jésus avec puissance, elle a expérimenté un miracle, et ses yeux se sont ouverts sur son amour, et qu'il était réellement le Messie. Ensuite, elle a couru, et elle l'a dit à toutes les personnes qu'elle connaissait. Et la Bible dit, beaucoup de personnes étaient venues vers Jésus, et ils étaient venus vers Jésus à cause de son témoignage. Cela signifie, cette femme n'était pas là à dire, il va avoir un concert extraordinaire. Oh, regardez cette belle affiche. Oh, regardez les personnes connues qui sont ici. C'était juste, oh, je reçus un miracle de la part de Jésus. Vous devez rencontrer Jésus. Celui qui fait les miracles, ces personnes avaient besoin d'un miracle eux-mêmes. C'est ce qui les avait attirés pour venir vers Jésus et être sauvés, guéris et délivrés. Dans le guise des Actes, on voit la même histoire encore et encore. Ça, c'est Pierre. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa. Et beaucoup crurent au Seigneur. Donc cette femme a été ressuscitée des morts par Pierre. Ce miracle extraordinaire était connu dans toute la ville. Et parce que les gens avaient entendu ce miracle, ils ont cru au Seigneur, ça dit. Ce n'était pas à cause d'une prédication sans puissance en disant, voilà pourquoi tu dois croire en Dieu. Voilà, répète après moi dans cette prière, lève tes mains. Ce n'était pas ça qui a fait que les gens croient réellement au Seigneur à cette époque. C'était parce qu'ils avaient entendu et vu des miracles par la puissance de Dieu. Un autre miracle de Pierre, il y trouva un homme appelé Œné, qui était couché sur un lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Œné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. » Aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Donc, c'était le miracle surnaturel qui venait de la puissance de Dieu au travers de Pierre, qui a guéri Œné, c'est ce qui a fait en sorte que les gens ont cru au Seigneur. C'était simple. Jésus est le Messie, il est le Sauveur et il fait des miracles. Regardez ce qu'il a fait. Regardez Œné,
Nous le connaissions auparavant, il ne pouvait pas marcher avant. Maintenant, il marche. Ça, c'est ce que Jésus fait. Et les gens croyaient, simple. Je crois maintenant dans le corps du Christ en général. Aujourd'hui, là où il n'y a pas d'onction, il y a eu cette sorte de compensation. Là où il n'y a pas la puissance de Dieu, on essaye de chercher des techniques marketing. Et vous voyez cela avec le groupe de louanges qui est le focus principal pour attirer les gens. Les gens viennent parce qu'ils aiment la musique et ils aiment écouter la musique de louange et louer Dieu. Peut-être que le graphisme et les vidéos et le divertissement et le charisme et la comédie et les belles lumières, les belles machines, le bâtiment luxueux, toutes ces choses ont été utilisées pour essayer d'emmener les gens vers Jésus. Mais toutes ces choses ne vont pas attirer les gens vers Jésus. Ça, c'est pour cela que souvent, c'est difficile pour les pasteurs de faire grandir une église. La seule chose qui attire les gens, c'est le vrai Jésus qui vient avec puissance. Quand les gens parlent de lui, quand les gens témoignent, quand les gens montrent aux autres, regardez ce que Dieu a fait, regardez ces miracles que Dieu a fait. Ça, c'est ce qui attire les gens. Ça, c'est ce qui attire les gens pour la bonne raison. Vous savez, pas juste pour « Oh, j'aime bien la musique. Je pense que je veux venir parce que c'est un bon groupe de louanges. J'aime bien la musique. » Dans ce cas-là, les gens ne viennent même pas pour la bonne raison. Ils ne viennent même pas pour rencontrer Jésus, ni pour être sauvés. Mais quand ils viennent avec ce motif, j'ai vu et j'ai entendu parler de quelque chose dont je n'avais jamais entendu avant. Et je viens avec cette croyance que Dieu est réel. Et donc, ils viennent dans l'église et ils trouvent la vraie onction là-bas. Ensuite, l'onction de Dieu vient et leur touche. Et maintenant, leurs yeux se sont réellement ouverts et ils peuvent réellement croire entièrement. Recevoir Jésus en tant que sauveur, recevoir la vie en abondance, s'abandonner à Dieu, parce que ça a été réel, c'est le Jésus réel qui les a attirés, Jésus avec sa puissance qui les a attirés. Et c'est ça qui fait en sorte que les gens sont réellement sauvés. Il est temps d'arrêter toutes les autres techniques qu'on a eues pour essayer d'attirer les gens, pour venir à l'église, pour attirer les gens, pour venir à Jésus. Des fois, même les pasteurs, ils mettent beaucoup d'énergie dans les divertissements, dans la comédie, dans les jeux, alors que rien de tout ça ne fait quelque chose. Vous avez juste besoin de l'onction. On a besoin de soupirer après l'onction. On a besoin d'avoir faim de l'onction. Et ça nous emmène dans une place où on est humble. Quand on voit qu'on ne peut pas faire les choses de notre propre manière, on ne peut pas faire les choses avec notre propre force, on ne peut pas faire les choses avec notre propre charisme et notre façon de parler, on a besoin de l'onction, ce qui est Jésus. On a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus dans sa plénitude. Voici un exemple qui montre pourquoi on a besoin de l'onction et à quel point c'est puissant d'avoir l'onction dans le corps du Christ. On était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. Depuis la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte, « Ah ! Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ?» Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme !» Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui en poussant un cri. Tous furent saisis de frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa réputation gagna toute la région. Il y avait une femme, puis une autre femme, puis un homme qui était dans le Bedford Corn Exchange au Royaume-Uni. Et jour après jour après jour, les démons ont crié. Et cet homme, Jésus, était là. Et il commandait aux démons de partir. Et il partait. Les gens étaient éblouis et les nouvelles à propos de ce que Jésus faisait s'est propagée sur toute la ville de Bedford, dans tout le Royaume-Uni. C'est comme cela que le réveil se propage. Ça ne se propage pas avec du divertissement. Ça ne se propage pas avec des bons prédicateurs qui sont des bons communicateurs. Ça se propage de cette façon. Vous, les gens au Royaume-Uni, vous devriez propager la nouvelle. Viens, viens. Ton temps est fini de la tourmenter. Ton temps est fini. Laisse-la parler. Silence
chaque démon dans sa bouche, sortez et laissez-la parler maintenant. Chérie, Dieu est en train de te libérer. Il est en train de te libérer maintenant. Il t'aime tellement au point qu'il ne veut même pas attendre une seconde pour te libérer. Est-ce que tu veux renoncer à quelque chose? Je renonce à l'abus sexuel. Je supprime tout accord de mort et de suicide maintenant au nom de Jésus. Je te détache de tout ce à quoi tu as renoncé maintenant. Je brise toute malédiction générationnelle. Je brise toute malédiction de sorcellerie et toute malédiction de sorcellerie qui est venue parce que tu étais allé voir des médiums et toute malédiction qui est venue sur elle quand elle travaillait en tant que médium. Je la détache de tout ça maintenant et à trois, je commande à tout esprit qui s'y rattache de partir. 1, 2, 3. Merci Jésus. Alléluia. Tu es libre. Sois rempli de cette onction maintenant et de la joie. Merci Jésus. Il est ici. Imaginez qu'il est ici en face de moi et que c'est lui qui est en train de chasser le démon. Parce que c'est la réalité. Louez-le comme s'il était réellement ici. Parce qu'il est réellement ici. Jésus, nous t'aimons. Alléluia. Jésus, nous t'aimons. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci d'avoir libéré ta fille précieuse et notre sœur en Christ. Merci de libérer toutes ces personnes ici. L'onction est ici et elle est en train de se propager au travers de l'écran maintenant. Et Jésus va vous guérir et vous délivrer et relâcher sa puissance sur vous pour que cette puissance soit transférée sur vous. Maintenant. Maintenant, parce que l'autorité de Christ, cette onction, est réellement ici. Et c'est simplement ce dont on a besoin. Avec des simples prières courtes, vous allez recevoir un miracle maintenant. Je déclare, toute maladie doit partir. Je déclare une guérison complète sur ton corps et que toute douleur s'en aille. Je commande à tout démon qui regarde ceci maintenant, tu dois partir maintenant. Je déclare que tout ce qui est mort dans ta vie redevienne en vie. Et je relâche cette onction sur toi. Reçois la vie en abondance dans chaque domaine. Reçois la joie abondante et la paix. Et je déclare qu'un transfert d'onction vienne sur toi maintenant, afin que tu deviennes un serviteur qui porte l'onction. Au nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir rejoint. Je ne peux attendre pour le prochain épisode. Le réveil, c'est maintenant. Kingdom is